Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 6 septembre 2021, direction l'hippodrome de Cran en Mayenne pour le prix VNB. Cinquième course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est déjà l'heure de la finale du Trophée Vert 2021 sur le fameux hippodrome de Cran et sa magnifique piste en herbe à main droite. Le parcours emprunté par nos prétendants au sac sera celui des 2775 mètres de la piste en herbe, et une fois encore, les 6 plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui nous promet une terrible course-poursuite sous un ciel ensoleillé et une température agréable de 28 degrés. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Elvis du Vallon. Préparé avec soin par Charles Puyer, déféré des postérieurs et piloté par David Thomas, ce cheval de grande classe peut s'offrir l'une des plus belles victoires de sa carrière. En deuxième choix, le numéro 13, Duel du Gers. D'une belle régularité depuis le début de l'année, mais ayant quelques difficultés à gagner, cet élève de Mathieu Abrivard, déféré des 4 pieds sur une piste à main droite à son entière convenance, mériterait tout simplement de renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Clark Soto. Probable favori des parieurs puisque restant sur 2 victoires pleines d'autorité, ce pensionnaire de la famille Martin peut faire respecter son statut de plus riche du lot aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 5, Diego de Cao. Restant sur plusieurs tentatives victorieuses et faisant très plaisir à la famille Duval d'Estaing, il va tenter lui aussi de profiter de sa position au premier échelon. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Eastern of My Life. Ce pensionnaire de la famille Giard, drivé par Antonia Barrier, reste sur plusieurs très bonnes tentatives et mériterait tout simplement de renouer avec le succès. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Préja Dupont. Jean-Michel Bazire la trouve en pleine forme et si elle dispose d'un bon parcours caché, elle n'est pas incapable de terminer à l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 12, Ce Retour d'Oscar. Restant sur un plaisant succès et s'entendant parfaitement avec Jean-Philippe Monclin, il peut pimenter les rapports de cette compétition. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, El Tigre Sega. Pouvant suivre tous les trains et ayant un redoutable rush final, il aura pour but de pimenter les rapports aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 9, Cage de l'Alba, tout de même associé à un certain Éric Raffin, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection font encore sauter la banque avec un trio à plus de 3000 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette